Bon alors on passe quoi ce matin? Philo. Ah merde. Bon bah tant pis, va falloir y aller au talent. Comme tout le monde hein. Attends, lui il est comme moi, il a rien foutu de l'année. Elle, elle a passé son année à débattre avec le prof mais elle sait rien. Et lui il sait même pas qui est Aristote, donc Non mais en fait ça devrait le faire, je suis largement pas le pire. De toute façon qu'on révise ou pas cette matière, c'est tellement un énorme loto. C'est toujours le gland qui a passé tous ses cours à dormir qui se tape 17 et la meuf du premier rang qui a tout suivi qui se tape 12. Et qui part en dépression de toute façon donc Ah voilà les sujets. Bonjour. Non merci, je veux pas prendre de sujet, c'est bon. Pourquoi? Je sais pas, pas très envie là. J'ai pas le choix? Mais comment ça? Non mais attendez, là vous savez qu'on est en examen de philo. Non, mais je veux dire, finalement la vie n'est-elle pas une question de choix? Pouvez-vous réellement fondamentalement me forcer à passer cette épreuve? Eh ben je pense pas non. Kant n'aurait pas été d'accord. Ok, je ferme ma gueule, donnez-moi ça. Alors, est-ce qu'on va se faire niquer cette année? Ah oui. Ouais. Ouais, ouais, très clairement là. Qui est le sadique de prof qui a pondu un truc pareil? C'est toi, hein. Regarde ce que j'en fais, ton sujet là. Bon vas-y, on arrête les conneries. Alors voyons, sujet 1, nos convictions sont-elles fondées sur l'expérience? Merde. Sujet 2, le désir est-il par nature illimité? Ok, bah on va partir sur l'explication de texte, ça sera forcément plus facile. Vérité et politique de Hannah Arendt. Ok, c'était quoi le sujet 1 déjà? Bon alors, règle numéro 1, ne pas paniquer. Règle numéro 2, ne pas paniquer. Attends, pourquoi elle écrit aussi vite déjà elle? Attends, je rêve, moi j'ai toujours pas compris le sujet. Bon tant pis, vas-y, j'ai qu'à parler un peu des trois sujets puis on verra bien. Alors, nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Bah oui et non hein. Attends, mais je lui en pose des questions moi. C'est hyper intime comme question. Bah, c'est vraiment scandaleux. Moi je suis aussi, je trouve ça choquant. Le désir est-il par nature illimité? Je sais pas, ça dépend quel désir. Bah, c'est sûr que si on parle du désir que j'ai de me barrer de cette salle en courant, ouais, il est clairement illimité, voire même infini. Pareil, si on parle du désir que j'ai de péter la gueule à celui qui a pondu un sujet pareil, il est sans limite. Mais sinon, je vois pas. Bon, tant pis, je vais dessiner, hein. On verra bien. Peut-être que l'inspiration viendra comme ça. Vas-y, faut que je déconcentre les autres. Prenons une pause de philosophe. Oh la vache, plus de 30 minutes. Bon là j'ai pas le choix, faut que je trouve le moyen de sortir là. Monsieur s'il vous plaît, je me sens pas bien. Je crois que je fais un malaise là. Cardiaque. Ouais c'est... Oui c'est ça, cardiaque. Je fais un arrêt cardiaque. Je peux sortir s'il vous plaît? Ah ça va aller mieux mais il faudrait que je prenne l'air là. Oh merci, c'est gentil. Oh punaise, c'est pas passé loin.